Dès lors que ça va dans le bon sens, qu'est-ce qui vous coûte de dire que nous serions capables, nous, avec le président de la République, mais de faire des choses qui vont dans le bon sens? Si la situation exige de cuisiner un gros gâteau et que vous ne m'offrez que 3 miettes, je ne vais pas vous dire que je suis d'accord avec vos 3 miettes. Alors, c'est intéressant. Il nous faut 100 000 soignants de plus à l'hôpital. Voilà la vérité. Je vais aller un peu plus loin. Vous connaissez la souffrance? Je vais aller un peu plus loin. Moi, je veux dire, la semaine dernière, j'étais dans un CHU, je rencontrais une infirmière. Parce que M. Macron, dans sa lettre aux Français, il règle le sort de l'hôpital en 3 mots. Nous avons investi dans l'hôpital, virgule, on passe à autre chose. La souffrance à l'hôpital, vous êtes quand même mieux placé que moi, a priori, pour la connaître. La vérité, c'est qu'il y a des gens qui me disent, si vous n'y arrivez pas, si vous ne gagnez pas l'élection, dans les 5 ans qui viennent, j'aurai rendu ma blouse parce qu'on est pris à la gorge. Voilà la vérité. Et c'est vous le ministre de la Santé, c'est pas moi à cette heure, d'accord?